Infatigables, les abeilles travaillent sans relâche à la fabrication du miel. Comment ils assurent, les filles? Merci, on commence à s'endormir. Je prends Big Bulldog. Je vais t'exploser. Hubert, ça sert à quoi, une mouche? Les abeilles font du miel, les vaches du lait, les moutons de la laine, ok. Mais nous, les mouches, on fait quoi de bon? Comment te dire? C'est très utile, une mouche. Ça nettoie les restes. Ça recycle les choses un peu pas très propres, quoi, tu vois? Avec les asticots, tout ça. Enfin bref, il faut tout pour faire un monde, hein. On fait les poubelles, quoi. C'est nul. Moi aussi, je vais faire un truc bon à manger. Ah, t'es là? Ça bosse, dis donc, hein. Je peux? Vas-y, c'est ton tour. Délicieux. Il y a un petit arrière-goût de... J'arrive pas à deviner. Et encore, c'est pas terminé. Je les ai mâchés pendant 3 heures seulement. On fait comme les abeilles. Elles se passent le nectar chacune leur tour et avec le mélange de la salive, ça fait du miel. Cochonne! N'insiste pas, c'est non. Mais allez, quoi? On est une équipe ou pas? Non! N-O-N. Adverbe utilisé pour marquer son désaccord ou apporter une réponse négative à une question. Lâcheur. Déjà, tu pourrais éviter de copier les autres. Je sais pas, moi. Innove. Invente un nouveau produit. Un truc qui te ressemble vraiment. Tu ferais ça pour moi? Merci, Hubert, t'es un vrai pote. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter... le camembert au plancton. Formule brevetée. Il suffit de filtrer 30 000 litres d'eau de mer pour obtenir 50 grammes de fromage. Par contre, faut trier les sardines. T'as vu ma taille? Comment je fais pour avaler 30 000 litres de flotte? Bah avec une paille. Une glace aux nouilles! Les enfants vont adorer! Une pelle à poussière avec GPS intégré! Moins digeste. T'as raison. Y a mieux à faire que de la nourriture. J'ai envie de me rendre vraiment utile, genre... sauver les marmottes grises de Mongolie, faire la paix dans le monde, ou résoudre le mystère de l'univers! Ben voyons, et pourquoi pas président de la République pendant que t'y es? Mais ouais! C'est ça qu'il faut faire! J'y vais! Mesdames et messieurs, votre attention! Je déclare officiellement ma candidature à la présidence! Vous précipitez pas pour dire merci, hein? Besoin d'un coup de main? Pour commencer, il te faut une photo officielle. L'image, c'est hyper important. Si t'as le look, t'as le job. Parfait. Un sourire? Ouistiti? Ouistiti. Quoi? Elle est bonne! La campagne est lancée, cocotte! Dis donc, il y a du monde quand même, hein? C'est toi! C'est un beau jour pour...
sa vidange, tourne la pelouse, accouche ma grande, on n'a pas que ça à faire. C'est un bon jour pour te refaire le dentier, mec. Tes ratiches sont tellement en ruine qu'on devrait les classer monuments historiques. Par contre, si je suis présidente de la République, faudra pas compter sur moi pour le défilé militaire. À moins que les pompiers paradent en maillot de bain. Là, je dis pas non. Merci, merci des questions. Oui. Votre campagne est totalement novatrice sur le plan stratégique. Pourquoi lancer votre candidature 4 ans avant les prochaines élections? Quatre ans? Ah ouais, ça fait long quand même. C'est ce que je me disais aussi. C'est une information intéressante. D'autres questions? C'est rien, regarde. Plus que 126 215 704 secondes avant le jour J. 126 215 703 maintenant. C'est dingue, ça a passé une vitesse. Non mais tu sais quoi, ça me saoule d'attendre. Panique pas. On a largement de quoi passer le temps. Exact. En attendant de sauver le monde, je vais sauver le rock. Super. Tu vas jamais le croire. Et c'est toujours. Une journaliste vient faire un article sur moi. Takako, la révélation punk qui va faire sauter la baraque. Ma vie va enfin pouvoir commencer. Sympa pour moi. Je préfère partir avant que tu deviennes célèbre et que tu m'oublies pour de bon. Adieu. Arrête, t'es mon pote. J'aurai toujours besoin de toi. Tu peux rester, hein, si tu te fais tout petit. Tu vois, le punk, c'est l'énergie de la rage. Je veux dire, ça brûle. Tu piges? C'est un peu bateau, la rébellion. Je voudrais trouver un axe plus original pour ce reportage. Un thé, mesdames? Jasmin ou bergamote? Je vous imagine plutôt jasmin. Hubert, mon coloc. Tout le plaisir était pour moi. Il est pas super punk, le papy, avec ses tisanes? Moi, j'ai des souvenirs dans le vent de ma mère où je supportais pas de... Les chouquettes d'épeautre au caramel et fromage de chèvre. Waouh! Vous êtes super créatif! Vous trouvez? C'est vrai que je suis plutôt à l'aise dans le registre du salé sucré. Mais attendez de goûter à la tourte aux patates de ma grand-mère. C'est le seul bon souvenir que je garde de mon enfance. Oui, c'est triste. Racontez-moi! Oh, rien de bien extraordinaire, vous savez. J'ai été élevé à la ferme dans le respect du terroir et le poids des traditions familiales. On se nourrissait exclusivement de glands et de châtaignes. Pour Noël, quelques radis égayaient notre table. Je voulais en prendre 2 secondes. Non mais ça va pas de squatter mon interview? C'est moi, le sujet original. J'y peux rien si mon histoire l'intéresse. Allô Bernard? Ouais, écoute, j'ai un autre sujet possible. De la boue à la lumière, le fulgurant parcours d'un cochon. Ok, comme je veux, je vois au feeling. Bye. Super passionnant! Cendrillon, chimie, cochon! Quand t'as lu le titre, y a plus rien à raconter. Ne prenez plus de somnifères, lisez la vie d'Hubert! Tu permets qu'on sollicite la vie d'une professionnelle? Ouais, et ben moi j'ai marché à 6 mois! Et ben moi je suis née avec une guitare! Moi j'ai eu le premier prix d'histoire géo en 6e! Et moi, en 2nde, j'ai été virée du lycée! Je sais faire sauter 2 crêpes à la fois! En vitesse de pointe, je dépasse le mur du son! Le but c'est de parler du quotidien de la personne. Tu me passes les céréales, s'il te plaît? Rien. Merci. De rien. Tu me passes le beurre, s'il te plaît? Ennuyeux. C'est ça, le quotidien avec Hubert. C'est elle qui passe ses journées à rien faire! Toi-même! C'est celui qui dit qu'il y est! Loupé! 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 Allô? Non, j'ai pas encore choisi. Ça va être plus compliqué que prévu. Ouais, donc je disais... Bonjour les boulets, je te remercie du cadeau.
Je sens qu'on accroche bien tous les deux. Ça vous dirait de terminer cet article à la terrasse d'un café? Voleur! Elle est à moi! Soyez sans crainte, Milady! J'arrive! Tu fais un article sur moi! Je dicte! Takako est appelé à détrôner... Tenez bon! Hubert n'abandonne jamais! Je suis là, tout va bien. Takako, il faut qu'on parle. Y a rien à négocier. Merci. Laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Va-t'en ! Il était une fois un lapin et une souris, et un chasseur et une fermière, et une licorne, un lutin. C'est quoi ce plan ? Un crapaud, un magicien. La gloire. Un plombier, une épée, un grille-pain, une goutte, un vélo, une choucroute, 200 grammes de beurre. Vous êtes en sécurité. Il ne peut plus rien vous arriver maintenant. Une botte secrète. On s'appelle pour l'apparition de l'article, hein? Et n'hésitez pas à passer si vous avez besoin d'autres renseignements. Au fait, c'est quoi l'histoire du lapin, de la souris, du chasseur, de la fermière, de la licorne, du lutin, du crapaud, du magicien, du plombier, de l'épée, du grille-pain, de la gouttière, du vélo? C'est combien pour le magazine? C'est cadeau! Les psychopathes! Ça, mon pote, c'est le début de la célébrité. Affirmatif. Oui, monsieur. Code confirmé. Opération Chacal Ventriloque. Ne t'inquiète pas si j'ai un comportement étrange. Ce sont de simples mesures de sécurité. Rapport à une mission top secrète. Oh, des agents secrets. Chut. Malheureuse. On nous écoute sûrement. Micro piégé, ils en mettent vraiment partout. Tu veux dire qu'on est en danger? Moins tu en sauras, mieux ce sera. Sache seulement que le monde libre est menacé par un groupe terroriste et que je suis sur leur trace. Reçu 5 sur 5. On va leur botter les fesses ensemble, mon colonel. Comment ça, on? Sur la quatrième vertèbre et c'est l'immobilisation immédiate. Tac, tac, tac. Vous pouvez compter sur moi, chef. Bip, bip, bip. Ah, un appel du commandement central. Je dois partir en mission sur le terrain. Reste ici pour sécuriser la zone. Je serai de retour pour midi. Chef, oui, chef. Présence d'un câblage suspect. Ah,
technologie inconnue, c'est de plus en plus louche. Bingo! Un tunnel! Je m'engage! Fascinant. Les forces ennemies ont investi un repère non loin de notre base. Oh non! Ils ont fait prisonnier Kiku le dauphin! Camouflage d'invisibilité! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Kiku? Parle! Sécurité nationale, personne ne bouge! À toutes les unités, suspect interpellé, je répète, suspect interpellé. Tu vas parler ou je te découpe en brochettes? Allez, crache le morceau! C'est quoi votre plan? Tu vas être fier de moi, chef. J'en ai chopé un. Belle prise, belle prise. On va se le faire avec de la mayonnaise. Hubert, tu vas trop loin. C'est eux, les barbares. Pas nous. Un colis pour Monsieur Hubert. C'est quoi? La dernière pièce de ma collection. Ça fait tellement longtemps que ces petits copains l'attendent. C'est un colis piégé! Le subterfuge est tellement grossier, tu vas pas te laisser prendre! Pas toi! Courage! Ha! Quelle bande d'amateurs! Ils ont cru nous avoir si facilement! Oh! Attends! Ils ont notre adresse? Hubert, ça craint, on est repéré! Vaut mieux tout faire péter! Pour la patrie! C'est pas pour critiquer, mais faut que tu sois plus clair sur le plan stratégique. Là, je sens comme un flou dans ton attitude. Ok, on lance une attaque surprise sur leur QG. Mais avant, on se paye une bonne glace. Vive le chef! Tu veux quel parfum? Désolé, mais j'y vais seul. Je peux pas te laisser prendre ce risque. C'est ça, dans tes rêves. Base ennemie en vue. J'interviens sur zone. Maman! Le carton, il avance tout seul! Oh. Prends ça! Ils préparent une offensive à grande échelle. Il faut que le monde sache. On est un indésirable rayon frais, Hubert. Faites votre boulot. Je gère, patron. Mais toi, à couvert! On n'est pas en mission suicide! Alors, mon vieux, vous me la sortez, cette mouche? Oui, monsieur. Affirmatif. Ordre de l'état-major. Mission annulée, on évacue. Hop, hop, hop. Laisse tomber les ordres, Hubert. Enfonce dans le tas. Viens m'aider. Elle a sûrement une capsule de cyanure dans les dents. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout est sous contrôle, madame. Pas de panique. Ça vous prend souvent d'agresser des personnes âgées? On n'est pas autorisé à vous donner nos infos, c'est classé top secret. Tu fais la maline en plus. Parfaitement. Et si tu veux tout savoir, j'aime pas les poulets. Elle plaisante. Je peux vous parler seul à seul?